Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Souvent. Comme je vous l'ai promis, je vous ai dit que dès que je trouve une chose sur cette affaire de Tibi Yoshua et sa mort, je vous ferai une autre vidéo. Pendant que j'étais fait des recherches, je suis tombé sur un monsieur qui a lancé un challenge à tous les pasteurs. Et c'est le monsieur qui est là-bas. Et ce challenge s'appelle Tibi Yoshua Challenge. Jean, il dit, qui sera le prochain à suivre Tibi Yoshua? Jean, qui sera le prochain à mourir? Parce que nous avons entendu que deux pasteurs sont décédés après Tibi Yoshua. Du coup, lui, il s'est dit que là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, et pour lui, c'est la colère de Dieu qui était se montrer de la sorte. Il parle en anglais. J'essaierai de faire la traduction pour vous. Si vous comprenez bien anglais, vous pouvez nous aider aussi. C'est parti. Yeah, good day, my people. Bonjour, mes gens. I want to make this video. This video is a challenge. Cette vidéo est un challenge. It's a challenge to the Nigeria pastors. C'est un challenge pour les pasteurs du Nigeria. Those that the Jews we have in Nigeria. Now, Tibi Joshua is dead. He's maintenant, Tibi Joshua est mort. Gone and gone forever. Et il est parti et il est parti pour toujours. First, may his soul rest in perfect peace. Alors, qu'il repose en parfaite paix. Now, we don't know who is the next to go. Maintenant, nous ne savons pas qui est le prochain à partir. We don't know who is the next that the Geo to go. Do you know how this are happening in Nigeria today? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au Nigeria aujourd'hui? Because God Almighty is angry. Parce que Dieu est fâché. God is angry with Nigeria. God is angry. Dieu est fâché avec le Nigeria. Dieu est fâché contre le Nigeria. And they are telling you to pray. Et il nous dit de prier. Et ils nous disent de prier. Nigeria does not need prayer. Le Nigeria n'a pas besoin de prière. Nigeria need a mass protest. Not Nigeria a besoin d'une manifestation de masse et non la prière. Not a prayer. We are tired of praying. Nous sommes fatigués de prier. We have been praying since 1960. Nous prions depuis 1960, c'est quoi? Vous traduisez ça pour moi? Since 1960. In fact, we are super warriors in prayer. When it comes to 1970, depuis 1970, nous prions. When it comes to prayer, I think we will be the first in the world. We pray more than anything. We have been praying since 1960. We don't have lights. Et nous prions depuis très longtemps, mais nous n'avons pas de courant. We don't have good road. Nous n'avons pas de bonne route. We don't have medical health care. Nous n'avons pas de médicaments pour se soigner. We don't have anything. Nous n'avons rien. We are jobless. Nous sommes sans emploi. We are jobless. Nous sommes sans emploi. We are backward. We are not even moving. Nous n'avons même pas, nous n'avons pas de film. We the super prayer, super warrior. We pray very well. Alors que nous prions bien, nous sommes les super prières, des guerriers de la prière. Now I'm telling you. Maintenant je vous le dis. I want to challenge the Daddy Jews in Nigeria. Je veux lancer un challenge au prochain mois. I want to challenge you. If you know that you are not part of this fraud, you see, tu sais que n'a pas parti avec tout ce qui se passe. If you know you are not part of this government that is defrauding Nigerians, il parle d'un pasteur, il parle d'un pasteur. Il dit que si il dit qu'il n'a pas une main mise, il n'a pas une main derrière tout ce qui se passe au Nigeria dans le gouvernement. That is looting our resources. Taking it outside the country to go and invest in another man's land.
Il dit les gens du gouvernement qui prennent les ressources du pays pour aller les investir dans les terres étrangères. If you know that you are not part of it, come out on June 12th. Let's go on the mass protest. Sors et veux nous rejoindre le 12 juin pour une manifestation de masse. Let's walk to the streets. Tell your church members. Tell them. Tell everybody. Et il dit à ce pasteur en question à qui s'adresse de faire sortir les membres de son église pour qu'ils viennent marcher. Then lead the protest. If you know, forget about prayer. We don't need prayer. Oublie la prière. Nous n'avons pas besoin de prière. God is angry. I said God. Dieu est fâché. Is angry with Nigeria. Je dis Dieu est fâché contre le Nigeria. God cannot bless us with such mineral resources, and we are still suffering. Dieu ne peut pas nous bénir avec autant de minéraux, de ressources, et puis nous souffrons. Few people came to hijack our resources and personalize it. Une minorité de personnes qui s'approprient les ressources du pays. And nobody is saying anything. Et personne ne dit rien. Everybody keep quiet. Tout le monde se tait. Come out! If you are not part of the fraud, if you are not part of the federal government defrauding Nigerians, come out. Il dit, sortez. Si vous n'êtes pas, si vous ne, vous ne prenez pas part au gâteau de ce qui les gens du gouvernement font. Si vous n'êtes pas dans cette histoire, sortez aussi, venez protester. God wants us to liberate. Dieu veut qu'on se répande. God wants us. God is angry with Nigerians. Yes. Dieu est fâché contre le Nigeria. Yes. God is angry with us because God wants us to liberate. God wants us to have freedom. Dieu veut notre liberté. God wants us to have freedom. God is angry. Dieu a besoin de nous pour notre liberté. With us, that we cannot fight the devil incarnate, who call their self presidency, that we cannot take power from them. God is angry with us. God wants us to go on a mass protest. Il dit Dieu a besoin que nous puissions aller faire une manifestation de masse. God is in support of a mass protest. Dieu supporte les protestations de masse, les manifestations. Not a prayer. Et non la prière. This is the time we have to come out and protest and tell the presidency to step down. We don't have a president, we have a presidency. Il est le temps qu'on puisse sortir et venir dire au président d'arrêter ce qu'il faut. Il dit, ah, mais quel président? Il n'y a pas de président ici. No president in Nigeria. Il n'y a pas de président ici au Nigeria. Oui, c'est de la confusion. They must step down. They must step down. Unless God will never be happy with you all, including the Daddy Jews. Forget about the prayer. I know most of you will watch this video and pray for me, pray for my death. That is what you people normally do because they have brainwashed you. You will come out to pray for my death. Don't worry. We don't know his nest. Thank you, my people. Il dit Daddy Dio, j'ai un pasteur nigérien qui s'appelle Daddy Dio, c'est lui qui s'adresse comme ça pour lui dire sors, viens, on va protester, on va faire une manifestation de masse. Dieu n'a pas besoin de prière, sors. Si tu n'es pas avec les gens du gouvernement qui sont en train de kidnapper les richesses du pays pour les investir mais dans les pays étrangers, viens et manifeste avec nous. Maintenant, ne prie pas pour ma mort. Wow, c'était ça. Jésus-Christ de Nazareth. Qu'en pensez-vous, les frères et sœurs? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En tout cas, c'est sa réaction face à tout ça. TB Yeshua Challenge. Il lance le TB Yeshua Challenge. À qui le prochain? Qui sera le prochain pasteur à partir? Hein? Que Dieu nous épargne beaucoup de choses.
Mais parce que cette affaire va amener beaucoup de personnes à se réveiller. Dès qu'ils voient quelque chose de nouveau, ils feront une autre vidéo. Ce n'est pas pour l'abonner à vous. Et pour nous montrer que vous nous suivez et que vous voulez qu'on continue dans ce sens, vous montrez un peu de telles choses et vous parlez de ces sujets encore plus. Laissez tous des j'aime pour nous en informer. OK? C'est parti.